biso songa yo pesa sango na bango ba oyo yo tiki ya mboka na biso nkombo zai bakoko batika mondele ya meki ya kimi biso totikali mama. Mobutu Sese Seko, qui est aussi appelé le guide. Sur le plan politique, parlons démocratie. Ça ne va pas dans un pays africain parce qu'il y a un parti unique ou un parti national, comme c'est le cas au Zaïre. Tout simplement parce que on n'a pas copié l'Occident, où vous avez le parti de gauche, le parti du centre, les partis de droite, des conservateurs, des centre-droits, centre-gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un Africain? Centre-gauche, centre-droit, radical de gauche, radical socialiste, radical... Ça ne veut rien dire pour un Africain authentique. Et je le suis. Allez dans n'importe quel village africain. Je ne dis pas du Zaïre, mais africain. Il n'y a jamais eu... Je dis bien qu'il n'y a jamais eu un seul village avec le leader de la majorité au centre du village, le leader de la minorité, de l'opposition à gauche et tout ça. Eh bien, nous ne sommes pas, nous Africains, un monde d'opposition. Nous sommes un monde de juxtaposition. C'est-à-dire, chez vous, vous dites si bien, du choc des idées jaillit la lumière. Ici, on se met les uns à côté des autres. Eh bien, nos idées, on les met ensemble autour du chef. Le chef, c'est le symbole de l'unité, le symbole de la paix. Vous avez lancé un mouvement que vous avez appelé l'authenticité. C'est quoi? Recours à l'authenticité veut dire tout simplement retrouver son âme, sa dignité. Je ne peux pas être pris ni considéré comme un Belge d'Afrique parce que mon pays était colonisé par la Belgique. L'Ivoirien, le Sénégalais, le Togolais doivent être des Togolais, des Ivoiriens, des Sénégalais authentiques, mais pas des Français d'Afrique. Voyez-vous une femme africaine authentique en pantalon? Mettre du rouge à lèvres, je trouve ça scandaleux. J'ai ordonné aux citoyennes zaïroises de rester authentiques. Pantalon supprimé, rouge à lèvres supprimé. Mais comment les trouvez-vous? Elles sont élégantes. Lorsque De Gaulle d'abord, Pompidou ensuite m'ont reçu à table, c'était à la française. Mais chaque fois que ses amis, chefs d'État étrangers, m'arrivaient au Zaïre, je me débattais comme un diable pour trouver du filet, pour qu'ils mangent chez moi à la manière française ou japonaise. Mais depuis le mouvement du recours à l'authenticité, j'ai reçu le roi des Belges qui a mangé chez moi à la Zaïroise. J'ai reçu, il y a un an, notre président actuel, le président Giscard d'Estaing, qui a mangé à la Zaïroise chez moi. Il vient de passer quelques jours avec moi au nord-ouest du Zaïre, avec Madame la Présidente. Ils ont mangé à la Zaïroise. C'est comment? Il s'agit là de la wampe, l'huile de palme avec du poulet, le poulet aux arachides, la feuille de manioc. Il y a eu même du crocodile à la table du président français. Et lui et Madame Giscard d'Estaing ont mangé du crocodile. Avant l'arrivée du missionnaire européen en Afrique, nos ancêtres croyaient en Dieu. On l'appelle Dieu en Occident, on dit ici être suprême. Est-ce pour cela qu'il fallait nécessairement
aux Africains que nous sommes. Porter des prénoms chrétiens qui sont des noms propres juifs. Lorsqu'on dit Paul, Paul avant de devenir prénom était un nom propre juif. Marie, Joseph, Jacques, Josué étaient des noms propres juifs. À la réflexion, moi j'ai recommandé au peuple zaïrois de reprendre les noms authentiques. Je m'appelle Kitambala Anomenga. Ah, et avant vous vous appeliez comment? Kitambala Paul. Et qui c'est qui, pourquoi vous avez changé de nom? Ah, on a changé depuis longtemps, hein, qu'on a pris déjà pour l'authenticité. Et qui c'est qui a dit de changer? Ah, c'est le patron qui a dit ça. Qui c'est le patron? Ah, c'est Mobutu. Pourquoi c'est le patron? C'est Mobutu a dit, il ne faut pas prendre le nom de Paul, il faut toujours prendre votre nom commun. Qu'est-ce que c'est le nom commun? C'est, le nom commun c'est Kitambala. Ça veut dire quoi Kitambala? Kitambala Paul, c'est mon nom propre du village. Et il est bien le patron? Oui, très bien. Et chez nous, c'est plutôt par la base, par la masse que nous travaillons. D'ailleurs, c'est pour ça que notre parti est un parti de tout le monde. Le MPR n'est pas, comme dans tous les pays d'ailleurs, je crois que nous sommes presque les seuls, où on a des gens qui adhèrent au parti. Ici, chez nous, du moment que vous naissez zaïrois, vous êtes membre de droit du MPR.